millions de visiteurs en une trentaine d'années. La Fondation Giannada a forgé à la petite ville de Martinine une réputation qui dépasse très largement nos frontières. En août, Festival mondial de la jeunesse à Moscou. Leonard Giannada, originaire de Curino dans le Piémont, est engagé par la télévision suisse romande comme premier correspondant pour le Valais. Il est journaliste et caméraman. En 1978, Leonard Giannada inaugure à Martigny la fondation Pierre Giannada, édifiée en souvenir de son frère mort accidentellement le 31 juillet 1976 des suites de l'atterrissage raté d'un avion à Bari. Depuis, il ne cesse d'être honoré par des sociétés artistiques et des institutions reconnues internationalement. Le 4 juin 2003, il entre à Paris sous la coupole de l'Institut de France et devient membre de l'Académie des Beaux-Arts. En 2009, il ouvre à Martigny la fondation Annette et Léonard Giannada dans un nouvel immeuble à caractère social. En 2008, la Fondation fête son 30e anniversaire. Zhao Wuqi, 1920-2013, d'origine chinoise, est reconnu dans le monde entier comme l'un des plus grands peintres contemporains. C'est une première grande rétrospective de Zhao Wuqi en Suisse après une cinquantaine de toiles et une trentaine d'œuvres sur papier, parmi lesquelles un ensemble de grands formats, diptyques et triptyques exceptionnels dans leur ensemble. C'est l'arrivée de Mao Tse-tung qui pousse Zhao Wuqi à se fixer à Paris. Zhao Wuqi découvre la Suisse en 1950 avant de prendre la nationalité française en 1960. C'est grâce à son ami Johnny Friedlander qu'il découvre le pays où il revient fréquemment pour des expositions organisées par les éditeurs Pierre Gaillet et Nesto Giacometti avec lesquels il travaille. Il délaisse volontairement l'encre de Chine car il refuse une pratique sans nouvel apprentissage. Il souhaite avant tout être considéré comme un peintre européen et non comme une curiosité exotique. Trop montré n'est pas fort. Trop de muscles n'est pas musclé. J'aime une peinture méditée plutôt qu'une peinture frappante. Zhao Wuqi. Ce que je sais, c'est que j'aime de plus en plus peindre, que j'ai de plus en plus de choses à dire, avec l'incessante peur de me répéter. Je peins ma propre vie, mais je cherche aussi à peindre un espace invisible, celui du rêve, d'un lieu où l'on se sent toujours en harmonie, même dans des formes agitées de forces contraires. Zhao Wuqi et Françoise Marquet. Une exposition à ne pas manquer, du 4 décembre 2015 au 12 juin 2016, tous les jours de 10h à 18h à la Martigny dans le Valais en Suisse. Cette exposition est facilement accessible depuis la vallée de Chamonix.